Bonjour, je suis Eric Paulson. Bienvenue au deuxième volume de Combat Submission Wrestling. Dans cette partie, nous allons réaliser divers exercices de sparring. Je vais ensuite vous montrer quelques trucs et techniques et des choses pour rester loin de la zone d'impact. Une erreur commune que commettent beaucoup de gens, c'est que quand ils lancent des coups de poing, ils maintiennent la tête sur la ligne centrale. Et quand ils lancent un coup de pied, ils maintiennent la tête sur la ligne centrale. Nous allons faire un essai pour cet exercice. Quand je laisse ma jambe ou ma tête à portée de mon adversaire et que celui-ci essaie de me frapper, je me déplace et je lui envoie un direct. Dans 90% des cas, je parviendrai à frapper sa tête. Nous allons le voir. Voyons. César lance un jab vers la caméra. Un cross. Un crochet. Un coup de genou avec la droite. Un coup de pied avec la gauche. Et un coup de pied avec la droite. Sa tête reste au même endroit. Quand nous combattons, je dois le laisser envoyer ses coups, son jab, son cross, son crochet, son coup de genou ou son coup de pied. Pour que ce soit clair pour vous, nous allons voir son application dans un exercice. Quand il envoie son jab, et j'esquive de cette manière, son poing passe très près de mon oreille. Alors il lance le jab, et je baisse mon épaule gauche comme ça. Observez, je baisse mon épaule, et il est alors facile pour moi de frapper. Observez, il lance son bras et je le frappe. En deuxième lieu, s'il lance un cross, je baisse mon épaule droite. Encore une fois, et je bouge mon épaule. Je descends mon épaule droite et ensuite j'envoie un cross. S'il envoie un crochet, je peux me protéger comme ça, ou bien frapper comme ça, pour que sa tête soit sur la ligne centrale. S'il lance un coup de genou, normalement je contre-attaque avec un cross. D'un côté, je bloque son coup et en même temps, je frappe de cette manière. Je le frappe comme ça. Et normalement, je l'atteins quand je lance mon poing, parce que sa tête se trouve sur la ligne centrale. Je laisse ma jambe à sa portée,
et il me lance un coup de pied. Alors, je lui donne un coup définitif. Je vais pouvoir le frapper à deux moments différents. En même temps qu'il frappe à ma jambe, ou après qu'il ait frappé ma jambe. S'il parvient à me toucher avec son cou, et il me frappe sur la partie arrière. Bon travail, César. Tu m'as frappé derrière. Frappe. Bon travail. Tu as réussi à toucher et tu penses que tu as bien fait. Si je frappe César, je pense bien. Mais ce qui réellement se passe, c'est que il rencontre mon poing. Parce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il doit bouger la tête tout le temps. S'il lance la jambe gauche, je frappe son visage. S'il lance la droite, je frappe son visage. C'est une chose que j'observe que font les gens quand ils combattent. Beaucoup de gens, quand ils s'entraînent en solitaire, ou avec le sac, ou avec un sparring, maintiennent la tête sur la ligne centrale. C'est pour ça que c'est une manière facile pour moi de trouver un endroit pour frapper. Nous allons maintenant voir comment, en lançant un jab, mon menton se trouve comme ça. Un cross, un crochet, mon menton se trouve comme ça. Il y a également des gens qui le font comme ça, et comme ça. D'autres bougent la tête comme ça, quand ils frappent. Enfin, il y a beaucoup de manières de le faire. La première chose que je remarque, c'est que lorsqu'il lance le jab, je le laisse faire le jab, je vais lui permettre de faire le jab. Cela va m'indiquer où frapper, et dès qu'il lance son jab, je le frappe. Je le frappe en bougeant le bras d'en haut. Ça va? En définitive, il lance le jab, et je fais comme ça, et comme ça. La deuxième manière s'utilise quand il est prêt et en frappant. Il tient son menton rentré, ok? Observez que son menton est rentré. Bien. Si j'essayais de l'attaquer par en haut, je ne pourrais pas le frapper. Il m'envoie un jab au visage. Il maintient son menton rentré. Pour atteindre son menton, nous devons donc faire ceci. Il envoie son jab comme ça. Il le lance et je frappe comme ça, par en bas. Je lance mon poing par en bas. Nous allons le voir lentement. Et comme ça. Nous allons le voir très lentement. Je vais par en dessous pour atteindre son menton. Et ensuite, je lance un crochet du gauche et un uppercut. Si son menton est en haut, je peux l'atteindre avec mon cou par en haut. Beaucoup de gens maintiennent le menton en bas et frappent. Et en retirant le bras, ils baissent l'épaule comme ça. Ils frappent et baissent l'épaule. Remarquez que cela se passe également avec le cross. Ils frappent et à ce moment-là, l'épaule protège le menton. Ils envoient le cou et couvrent le menton. Et la main qui frappe revient où elle était. Nous allons le voir. Il envoie un cross et met sa main en arrière. Directement. Maintenant, nous allons le faire lentement et observer que son épaule reste en bas, juste ici. Et c'est le moment où nous allons frapper. S'il lance son cross et que j'essaie de le frapper maintenant, il pourrait me bloquer. Pour cela, je dois frapper pendant qu'il retire son bras. Je dois faire attention à ce qu'il fait avec son épaule. Si son épaule reste haute, ou si son épaule retombe, si sa main retombe, ou s'il revient en arrière. Cela va te permettre de lancer tes coups. Il faut observer le menton, les épaules et les mouvements de la tête. Le mouvement de la tête ne doit pas simplement consister à bouger la tête de droite à gauche, mais à la bouger en coordination avec les épaules, en l'appuyant sur les épaules. Par exemple, il lance un jab et bouge la tête sur le côté. Bien. Bien. S'il lance un jab, observez, je le frappe à la poitrine, parce qu'il bouge la tête, mais ne bouge pas les épaules en même temps. Voyons la même chose, mais avec le cross. Si nous le voyons d'ici, nous voyons qu'il bouge sa tête. C'est bien. Et vous voyez comment il peut me frapper parce que mon visage se trouve ici. Mais que se passe-t-il s'il ne baisse pas suffisamment son épaule? Je le frappe alors à la poitrine. C'est de cela que je suis en train de vous parler. S'il ne baisse pas son épaule comme ça, mon poing frappe ici, sur sa poitrine. Si au contraire, il baisse son épaule,
il peut faire plusieurs choses. Il peut, par exemple, me donner un coup de poing dans le foie, ou un cross, ou un coup de poing direct au visage. Ou même, il peut se jeter contre moi pour me renverser. La même chose avec l'épaule gauche. Je lance le poing, et il peut bouger comme ça, et se lancer contre moi pour me renverser. Un des trucs consiste en ceci. Quand il voit mon poing, alors il bouge la tête et baisse son épaule, en même temps pour esquiver, et en même temps, il lance son poing. Nous pouvons également le faire avec un cross. Observez ce que nous faisons. Je lui lance le jab et je maintiens la tête à sa place. Tandis que lui lance son jab et en même temps bouge la tête et baisse son épaule pour esquiver. Pour nous entraîner, nous pouvons faire ceci. Quand il m'envoie son jab, je bouge ma tête comme ça et je lance moi aussi mon jab lentement. Et il va bouger en même temps. Et alors, nos biceps vont se rencontrer ici. Nous allons lancer le cou croisé et observer que nos biceps se cognent. Nous allons le faire plusieurs fois et observer comment les biceps se cognent. 1, 2, nous pouvons faire un double jab, comme ça, ou un double cross. Ou jab, ou cross, ou double jab, ou double cross. Observez ce qui se passe quand nous frappons. Nous faisons ce mouvement comme ça. Ce que nous allons faire maintenant permet d'augmenter la puissance des coups de pied. César frappe avec le menton en haut. Encore une fois. Et maintenant avec le menton rentré. Observez quelle différence dans la puissance. Encore une fois avec le menton en haut. Nous allons maintenant le voir lentement. Quand il essaie de frapper, mon visage avec le menton en haut, regardez. Mais s'il le fait avec le menton en bas, avec le menton rentré, observez. Je me ferai mal à la main, tandis que son poing ira directement à mon visage. Si nous nous battons comme ça et que je suis ici, je n'arriverai à rien. Ce que je dois faire, c'est me mettre comme ça et regarder l'adversaire de cette façon. Si tu es en face de quelqu'un et que tu te mets comme ça, tu ne fais rien. En revanche, si quelqu'un te regarde mal et que tu te mets comme ça, tu es mieux placé. Je sais par expérience que si tu ne regardes pas à travers tes sourcils et si tu tiens ton menton en haut, les choses iront mal pour toi. Ce qu'il faut faire, c'est rentrer le menton et regarder à travers les sourcils de cette façon. Mais si en revanche, il ne regarde pas à travers ses sourcils et n'a pas le menton rentré, il se passe ceci. S'il regarde à travers ses sourcils, il se passe ceci. Dès lors, le menton doit être rentré. Observez ceci. S'il me lance un coup de pied, ou s'il me donne un coup de genou, ou s'il m'envoie un coup de poing, il gagne de la puissance dans ses coups pour mettre KO, parce que sa tête se trouve dans l'angle correct. Nous allons faire cet exercice pour apprendre à esquiver correctement. Ce que font beaucoup de gens, c'est frapper et maintenir la tête comme ça. Ce que je vais faire, c'est envoyer le jab, et il va m'envoyer un jab, et je vais l'esquiver. Je vais lui envoyer un cross, et il va me lancer un cross, et je vais l'esquiver. Je vais lui envoyer un 1-2, et il va me lancer un 1-2. Ce que je vais faire quand il me lance un 1-2, c'est esquiver. Je peux l'esquiver comme ça, vers l'intérieur, ou comme ça, et sortir à l'extérieur. Nous allons le faire encore une fois. Je lance un jab, et il va m'envoyer un jab, et je vais l'esquiver. Je lance un cross, et il va me lancer un cross. Je lance un 1-2, et il va m'envoyer un 1-2. Une chose très importante que vous devez faire quand vous faites ceci, c'est essayer de frapper votre compagnon au visage. Si votre compagnon n'essaie pas de vous frapper au visage, ce n'est pas réel. Parce que s'il ne le faisait pas, il ne devrait pas bouger la tête pour esquiver le coup. Si je le frappais au visage et qu'il ne me frappait pas là, ce ne serait pas réel. Je ne devrais pas me bouger. Pour cela, je lance un jab. Ou je lance un cross. Ou un cross et un jab. Maintenant, je sais qu'il peut me frapper et dès lors, je devrais me déplacer pour esquiver. C'est cela. Une fois de plus,
cross et je bouge. 1, 2 et je bouge. 1, 2 et je bouge. Cet exercice permet de pratiquer les glissements et les renversements. Ce que nous allons faire, c'est lancer un 1-2 avec un rebond. Ensuite, il contre-attaque avec un jab et je fais ceci. Une autre fois, je lui envoie un 1-2 et il contre-attaque. Je glisse et je suis à l'intérieur. Encore, je lui envoie un 1-2 et il lance le jab et boum, je suis à l'intérieur. 1-2 et j'entre. 1-2, je glisse et j'entre. 1-2, je glisse et j'entre. Encore, il doit frapper mon visage. Voici ce qui se passe si nous esquivons. Peu importe si je vais vers l'intérieur ou vers l'extérieur, pourvu que j'esquive et que je bouge ma tête en l'éloignant de la ligne centrale, je pourrais entrer et le saisir. Les exercices suivants se font pour contre-attaquer après un crochet. Il y a différentes manières de faire le crochet. On peut le faire directement ou combiner cross et crochet, jab cross et crochet, coup de poing à l'estomac et crochet, ou feinte et crochet. Peu importe, il va contre-attaquer avec un crochet. Il contre-attaque avec un crochet, se protège et ensuite envoie le crochet. Quand il lance le crochet, la première chose que nous faisons, c'est ceci. Nous faisons alors cela et il frappe. Bien, c'était seulement un test. Ici, nous avons deux options. Il envoie son crochet au visage, je mets le bras comme ça, et ensuite je peux le saisir et nous restons comme ça. Une fois de plus. Bien, d'abord ceci. Et ensuite, je le saisis à une distance de 50-50. Ici, je vais avancer cette jambe et lever ce bras comme ça. Certains aiment jeter les hanches en arrière et rester plus loin. Et d'autres préfèrent être comme ça, collés et poussés. Dans ce cas, je peux faire ceci. Dans la saisie 50-50, les gens peuvent faire plusieurs choses. La première, c'est baisser le dos, comme ça. La deuxième, c'est s'approcher et saisir comme ça. Ensuite, ils peuvent faire d'autres types de saisies, comme ça et comme ça. Ou on peut lui faire un croc en jambe, comme ça, ou comme ça. Mettre la jambe ici. Cette position est très populaire à la No Holds Barred et au Vale Tudo, la saisie 50-50. Alors, quand il lance un crochet, je lève le bras comme ça et ensuite je le saisis. Encore.
La deuxième manière, lorsqu'il lance le crochet, je me couvre et ensuite je le saisis. Encore une fois. Bien. La troisième, lorsqu'il lance le crochet, j'esquive son coup et je le saisis par derrière. Nous allons le voir depuis un autre angle. Encore une fois, j'entre en haut et je saisis. Une autre fois. Je fais jab et crochet et il fait un crochet. Je fais cross, crochet. Je fais jab, cross, crochet. Observez comment il a essayé de me frapper au visage. L'exercice suivant est utile pour frapper, saisir et ensuite renverser. Ce que je vais faire, au lieu de me déplacer pour esquiver, c'est rester droit et envoyer des coups. Ce que nous allons faire, c'est être face à face pour envoyer des coups directs. Ce que nous allons faire, c'est lancer une combinaison de 1, 2, 3 ou 4 coups et immédiatement s'accroupir. Ce que je vais essayer de vous apprendre avec cet exercice, c'est à bloquer le rival immédiatement après avoir envoyé nos coups, au lieu d'esquiver en bougeant la tête ou le corps. Je lance un jab et il va me lancer un jab. J'envoie un 1-2 et il va m'envoyer un 1-2. J'envoie un 1-2-3 et il va me lancer un 1-2-3. Ce que nous pouvons faire, c'est un pas en arrière ou bien un pas en avant pour faire pression. Si ce que je veux faire, c'est le renverser, ce que je peux faire, c'est faire un pas en arrière. Je frappe et il vient vers moi. Et je fais un pas en arrière. Observez, c'est comme ça. Et ensuite, je m'accroupis, je l'ai. Observez. Et ensuite, je m'accroupis et je le saisis. Une autre manière de faire pression vers l'avant. Observez, je frappe et ensuite je saisis. On peut également faire 1-2-3 et ensuite le saisir comme ça. Et nous nous retrouvons en position de clinch. Dès lors, ce que nous pouvons faire, c'est aller en arrière ou faire pression vers l'avant. Par exemple, il vient vers moi et je m'accroupis et je le saisis. Ou j'avance vers lui en faisant pression, jusqu'à le saisir et aller au clinch. Ou le laisser frapper et ensuite le saisir comme ça. Le plus important dans ce dernier cas, c'est le mouvement de l'adversaire. Parce que par exemple, s'il m'envoyait plusieurs coups, 1-2-3, et faisait un pas à droite, sa droite, le coup de contre-attaque que je veux donner se perdrait comme un missile sans contrôle. S'il allait vers l'arrière après la combinaison de coups, je pourrais facilement l'atteindre. Sur le ring, sur les cordes, au gymnase, sur l'octogone, dans la cage, ou quoi qu'il soit.
Si en revanche, ce qu'il fait, c'est faire un pas sur le côté après avoir frappé, il parvient à me mettre à sa portée pour m'envoyer un cross, un jab ou quoi que ce soit. Le secret, c'est de faire un pas sur le côté après avoir frappé. N'allez jamais directement en arrière pour ensuite faire le pas. Si vous le faites, vous créerez un espace vide qui ne sert à rien. C'est ce qui se passe si on va en arrière pour ensuite faire un pas sur le côté. Si je le frappe et qu'il bloque, ne bouge pas. Si je lui envoie les coups, qu'ensuite je vais vers l'arrière et finalement je fais le pas sur le côté, c'est ce qui se passe. Si au contraire, je fais ceci et je fais un pas sur le côté, j'obtiens un angle clair pour frapper. Si je fais ceci et que je bouge comme ça, j'ai un bon angle pour envoyer mes coups. Dès lors, je peux faire un pas vers l'arrière pour sortir. Je fais un pas vers l'arrière pour sortir. Ou bien, je fais un pas sur le côté. Vous voyez, je frappe et je fais un pas sur le côté pour changer l'angle. Ainsi, ce qu'il faut faire, c'est un pas sur le côté, pas un pas en arrière. Un seul coup. Une, deux. Une, deux, trois. Et un, deux, trois, quatre. De l'autre côté, menton en bas. Il y a deux options pour se protéger le visage. La première, c'est comme ça, avec la main. Ou comme ça, avec les deux mains. Tu peux également te protéger comme ça, avec le coude. Avec une main. Avec deux mains. Observez comment c'est. Avec une main. Avec deux mains. Ou en mettant le coude. Envoie-moi un 1, 2, 3, 4. Avec une main. Avec deux mains ou en mettant le coude. Thank you.
Depuis cette position, je saisis son poignet, puis j'entoure son bras avec mon bras droit. Ensuite, je fais ceci et je le tiens. Nous sommes dans cette position. Il peut mettre ses deux mains sur mon estomac ou mettre son épaule sur mon estomac ou mettre son front sur mon nombril. Il fait cela pour empêcher que je me relève. Alors, d'ici, nous commençons avec ceci. Ensuite, nous faisons comme ça. Nous serrons son bras contre notre poitrine. Et ensuite, nous bougeons de cette manière de gauche à droite. Et observez que je tiens bien ce bras. Nous n'allons pas le lever comme ça. Nous allons l'approcher ici. C'est la saisie. Dans la deuxième variante, ce que nous faisons, c'est lui saisir le poignet. Et ensuite, j'amène mon genou ici. Pas derrière le coude, car nous pourrions lui blesser le bras, mais sur l'épaule. Et il se rend. La troisième option, c'est avec la tête ici. J'essaie de saisir sa main, mais je ne peux pas, parce qu'il est ici. Voici ce que je fais. Depuis cette position, je prends sa tête et je la bouge. Maintenant, je pourrais saisir son poignet, et avec ce mouvement, je me placerai ici. Il pourrait également prendre ses mains derrière mon dos. Alors, depuis cette position, je vais bouger mes hanches rapidement, de sorte que sa tête touche le sol. Nous allons le voir. D'abord, je pousse par ici, observez. Je pousse comme ça et ensuite, je vais de l'autre côté. Et je me retrouve comme ça. Encore une fois, sa tête se trouve ici. Je saisis sa tête et je la tourne de ce côté. Je saisis sa main comme ça et je m'appuie sur son coude. Il se fait ici qu'il m'empêche de réaliser mon mouvement. Alors, ce que je fais, c'est pousser avec les hanches. D'ici, je me bouge aussi vite que possible. Je vais de l'autre côté. Et c'est ce qui se passe. Il a sa tête comme ça, et je le saisis à la tête, et je la bouge comme ça. Ensuite, je fais ceci. Il saisit ses mains derrière mon dos. Et je me retrouve comme ça, et depuis cette position, ce que nous allons faire, c'est lever notre hanche aussi haut que possible. Et ensuite, nous nous tournons. Et depuis cette position, nous pouvons faire cette saisie. Sa tête est ici, je la mets sur le côté. Ensuite, je fais ceci et je saisis mes mains comme ça. J'essaie de le bouger, mais il est trop fort. Et ce que je fais, c'est tourner en m'appuyant sur mon coude et passer la jambe par-dessus. D'ici, je saisis son bras comme ça. Je peux également lui faire cette saisie. Clé de poignet ou clé de bras. Clé de bras ou clé de poignet. Pour que cette saisie fonctionne, je dois contrôler son coude. Une façon pour lui de s'échapper, c'est en bougeant le coude. Si je ne fais pas ceci, il n'y a pas de saisie. Si je fixe comme ça son coude, alors j'ai la saisie. Observez ici. J'ai la saisie, et ici, et ici. Dès lors, nous pouvons faire la saisie comme ça, ou également comme ça, ou de cette façon. D'accord, nous allons maintenant faire la même saisie. Hammerlock ou Chicken Wing ou Kimura. Nous allons le faire depuis cette position de garde. Si ses mains sont sur mon estomac, je fais ce mouvement et je déplace ses mains vers l'extérieur de cette manière. Ensuite, je saisis son poignet. Et cette main, je l'amène vers le haut, tandis que je peux mettre mes pieds comme ça, en haut ou en bas. Et ensuite, je bouge comme ça ma main pour entourer son bras. Ensuite, je me bouge comme ça, et j'ai la saisie. Ici, je peux lever son coude. Depuis cette position, je peux faire ceci. Observez, je fais ceci, et je sépare ses mains. Quand il a ses mains appuyées sur mes hanches, ce que je ferai pour me dégager, c'est saisir ses coudes comme ça, et ensuite lever mes genoux pour le pousser. Nous le revoyons. Il pousse et je saisis mes genoux et je les bougerai comme ça pour le pousser vers le bas.
Et d'ici, je peux placer mes bras dans cette position pour faire la saisie. Et d'ici, je peux faire la saisie numéro 1. Observez, voici la numéro 1. Souvenez-vous qu'il faut saisir rapidement pour ensuite faire la clé très vite. La saisie numéro 2 se fait en levant le genou. La saisie numéro 3 est celle qui commence avec sa tête ici. Ensuite, je bouge sa tête pour faire la saisie. Je le saisis par le coude, il saisit ses mains, je pousse avec mes hanches et ensuite, je glisse comme ça. Et je déplace son bras lentement. La clé est ici. Mon pied se trouve sur son dos, parce que sinon, il pourrait rouler comme ça. Bien que ce ne serait pas mal non plus, car nous nous retrouverions dans cette autre position pour terminer avec la saisie.
hands. Il existe plusieurs positions. La position de base, la position croisée, la position de garde. La hammerlock ou la kimura peuvent être faites depuis de nombreuses positions. Ces exercices, nous les faisons seulement pour vous donner des idées. Une autre position que nous allons travailler, c'est la croisée. Parfois, vous pouvez vous retrouver avec son bras comme ça. Ce que je vais faire, c'est ceci. Entourer son bras avec mon bras comme ça, pour saisir et mettre mon autre main ici. Ensuite, je me déplacerai jusqu'à me retrouver ici. Puis, je lèverai son bras en appuyant avec tout mon corps. Avec le poids de tout mon corps, je pousserai vers l'avant comme ça. Je pousserai comme ça vers l'avant, avant de faire le dernier mouvement, qui consistera à mettre mes jambes comme ça. J'ai sa tête ici, et sa main saisie de cette façon. Nous le voyons une nouvelle fois. D'abord, nous tenons ce bras. Ensuite, nous mettrons notre bras comme ça pour saisir sa hanche. Parce que si nous ne saisissons pas sa hanche, il bougera avec nous comme ça. Observez comment il bouge. Pour cela, nous le saisissons ici. Ensuite, je bouge comme ça. J'appuie vers l'avant. Je mets mes genoux comme ça. Et je termine avec la saisie chicken wing, où je peux me mettre dans cette position. Ma jambe sera à la même hauteur que son dos. Et ensuite, je saisirai son bras et je le tordrai. En judo, souvent l'adversaire se déplace pour mettre son ventre par terre. D'ici, s'il essaie de faire ça, je mettrai ma jambe droite ici et je saisirai son bras. En jiu-jitsu, depuis cette position, on fait ceci, avec cette jambe ici. En shuto, on fait la chose suivante. Depuis cette position, après avoir obtenu la saisie et avec sa tête entre nos genoux, on fait cette saisie comme ça, ou bien on tient le poignet comme ça, pour ensuite saisir sa tête de cette façon, avec les jambes, et appuyer sur son cou. En jiu-jitsu, voici la position, et d'ici, nous pouvons faire ceci. Et si ça ne fonctionne pas, nous pouvons faire cette clé de bras. En définitive, depuis cette position, beaucoup de gens maintiennent les genoux comme ça. Il essaie alors d'appuyer son ventre par terre. Ce que l'on fait, c'est lever son bras et le bouger comme ça. Et ensuite, je peux faire ceci et je vais au sol pour lui appliquer la clé de bras. En définitive, depuis cette position, on peut placer les jambes de trois manières différentes. 1, 2, 3. Quelle est la meilleure pour ce que vous êtes en train de faire? Le choix dépend de vous. Personnellement, je préfère contrôler sa tête de cette manière. Certains combattants croient que comme ça, ils peuvent essayer d'appuyer leur ventre par terre. Mais pour cela, on peut immédiatement faire ceci, et comme ça, nous aurons le contrôle. C'est une position très, très habituelle. Si sa jambe est en haut, alors nous pouvons saisir son pied. Ou bien nous pouvons saisir ici sa jambe, d'ici. S'il saisit son pantalon, je peux changer de position. Les mains peuvent faire cette clé. Une autre variante, depuis cette position, il saisit son pantalon et je vais faire un arm lock. S'il saisit ses mains,
Alors nous nous levons et nous lui appliquons une clé de cou de cette manière. Voici la position nord-sud. Sur la position nord-sud, je peux avoir mes deux bras au-dessus de ses bras, un bras au-dessus et l'autre en dessous, et inversement, ou les deux en dessous. Je préfère avoir un au-dessus et un au-dessous, ce qui te donne la possibilité de faire ceci, pour ensuite faire cette saisie et étrangler comme ça. Cette position te donne la possibilité de faire cette saisie de bras et de faire un arm lock. Ou également chicken wing. Moi, j'aime bien cette position, car elle te permet de réaliser ce mouvement et de soumettre l'adversaire. Voici la saisie. Avec cette saisie, nous faisons en même temps un étranglement. Nous pourrions même lui casser le cou.